La grosse colère de Sylvie Vartan, ce bidonnage qu'elle ne supporte plus. Elle chante, elle laisse parfois l'émotion la saisir et mais elle sait aussi rendre les coups. La preuve avec le dernier numéro du magazine Variation, dans les kiosques. Interviewée peu avant la fin de sa tournée à la mi-décembre, Sylvie Vartan n'a pas caché son appréhension de quitter Johnny, après avoir chanté son répertoire sur scène et assuré la promotion d'un album de reprise du rocker, Avec toi, pendant 3 mois. Chaque chanson que j'interprète me ramène à des tas de souvenirs magnifiques partagés ensemble, et je sais qu'il est là, derrière moi, avec son sourire, sa jeunesse, sa force, sa beauté et, c'est unique et là, ça va bientôt s'arrêter, je sais que ça va être difficile et heureusement, la chanteuse est entourée à Noël, David, son fils adoré, la rejoint avec ses enfants et son ex-compagne Estelle Lefébure, en froid avec Laetitia Hallyday, à Louange. L'occasion de se remémorer de meilleurs souvenirs que ce portrait accablant de Johnny dépeint dans la presse au cours des mois précédents est. En attendant ses retrouvailles, Sylvie a tenu à effectuer quelques mises au point auprès de Variations. Sur ses années de vie commune avec Johnny, rester un ami, tout d'abord. La chanteuse a été mariée au rocker pendant 15 ans, soit 5 ans de moins que Laetitia, troisième épouse Hallyday de 1996 à 2017. Mais Sylvie comptabilise une vingtaine d'années aux côtés de Johnny, car, si nous sommes restés mariés pendant 15 ans, il y a eu 4 années avant, avec les fiançailles et de revenir sur la genèse de Que je t'aime, tube de l'idole Hallyday, l'auteur Gilles Thibault, qui était un ami commun, nous connaissait plutôt bien / On sait que cette chanson m'était destinée et la chanter aujourd'hui, c'est comme répondre à ce beau message d'amour qu'il m'avait offert dans sa jeunesse et autant pour Laetitia Hallyday, persuadée d'avoir réconcilié Johnny avec la vie de famille. Les mensonges, relayés par la presse, Sylvie ne veut plus les lire, ni les entendre. C'est déroutant parce que je n'ai pas l'impression que l'on parle de moi, ni de Johnny d'ailleurs, c'est un peu surréaliste à vivre. Notre vie commune se retrouve feuilletonnée, et bidonnée la plupart du temps et j'ai été choquée par certains médias qui ont rapporté sauvagement n'importe quoi, tonne la chanteuse. Sans s'apesantir sur les diverses rumeurs qui ont couru ou ont été colportées, les rapports compliqués de Johnny et David, les largesses du père avec le fils, les magouilles financières au sein du clan ou même l'indifférence du rocker à la mère de son aîné durant ces dernières années et… D'abord affolée et révoltée, Sylvie a fini par prendre la parole, bien malgré elle. Vous savez, enfant, je rêvais d'être une artiste, pas d'être célèbre. La célébrité, je ne savais même pas ce que cela signifiait et ce type de notoriété m'a toujours révulsée et une dernière pique dont on devine la destinataire est…